Disney Junior présente les moments magiques de Vampirina. C'est le premier jour de classe pour Vampirina dans sa nouvelle école. Et elle est très impatiente, mais également un peu nerveuse. On y va. Fais-moi un grand sourire. Bien, je pense qu'elles sont très réussies. Bon, allez, on va les imprimer. Oh, allons voir l'imprimante, la chauve-souris va sortir. Waouh! Regardez en face, vaisseau spatial. Je vais le reproduire sur mon dessin d'extraterrestre. Ma photo va sortir. Edgar, je peux voir ton vaisseau? Je croyais que tu dessinais ton chat. Oui, mais je voulais le dessiner dans l'espace. Madame Bouclette avec un chaton extraterrestre sur Mars. Oh, d'accord. Oh non. On ne peut pas prendre cette photo. J'attendais tellement de mon premier jour d'école. Maintenant, tout ce que je veux, c'est qu'il se finisse. Je ferai jamais vraiment partie de cette classe. Comment s'est passé ton premier jour, chérie? On aurait dit une belle journée ensoleillée en Transylvanie. Oh non. Ça, c'est dur. C'était vraiment terrible. Rien ne s'est passé comme prévu. Je suis sûre que ce n'était pas si mauvais que ça. J'ai eu la chauve-souris. Bah ça, c'est mauvais. Si, les fortes lumières font peur à beaucoup de vampires, à oncle Dieter, par exemple. Ton père a raison, Vampirina. Si tu avais vu ce vieux Dieter à l'époque, il se transformait en chauve-souris à chaque fois qu'il voyait un flash. C'est pour ça que la plupart des vampires ont fait peindre leurs portraits. Mais tous les élèves ont leurs photos sur l'arbre de la classe. Si je peux pas être prise en photo, je serai jamais un membre officiel de la classe. Peut-être que je devrais plus jamais retourner à l'école. Oh, ma pauvre petite chauve-souris d'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que j'ai une idée. Je vais m'en occuper. Vampirina, j'avais peur que tu ne veuilles plus revenir à l'école. Papa dit toujours essaye encore. Donc je suis là. Tant mieux, parce que j'ai une surprise pour toi. Je n'avais pas encore choisi mon sujet pour l'art plastique et du coup hier, j'ai trouvé l'idée parfaite. Est-ce que ton idée est aussi cool que mon dessin d'extraterrestre dans un autre univers? Non, pas vraiment. J'ai peint un portrait de ma nouvelle meilleure amie. Parce que je tiens beaucoup à Vampirina. Poppy, je l'adore. Monsieur Gore, est-ce que je peux utiliser le dessin de Poppy pour l'arbre de la classe? Oh, eh bien, mon appareil est prêt. Tu ne voulais pas que je reprenne ta photo? Non. Bon, pourquoi pas. Si tu tiens à utiliser le dessin de Poppy, ça ne me dérange pas. Finalement, je pense que je vais me plaire à l'école en Pennsylvanie. Être une nouvelle élève dans une nouvelle école peut faire peur, même pour Vampirina. Mais avec l'aide de ses amis, Vampirina peut relever tous les défis. En attendant un nouveau moment magique, retrouve Vampirina sur Disney Junior. Merci d'avoir regardé. Pour encore plus de vidéos Disney Junior, clique ou appuie juste ici.